Bien, bonjour. Donc, nous sommes ici à Dakhla par invitation de la Ligue marocaine de la lutte contre le diabète. C'est une très très grande expérience, très très enrichissante parce que aujourd'hui, on a toujours pensé que le Maghreb et l'Afrique subsaharienne sont deux régions différentes de l'Afrique. Or que nous avons des défis communs et c'est à titre de ces défis communs que nous, aujourd'hui experts des sociétés savantes africaines de l'Afrique subsaharienne, sommes invités ici par la Ligue marocaine de la lutte contre le diabète. Et ceci parce qu'on a des défis à faire qu'on régresse avec la prévalence du diabète en Afrique en échangeant, en mutualisant nos efforts pour que les patients diabétiques soient à un même diapason, que ce soit ceux du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, puisque les défis sont communs. Et nous, aujourd'hui, avec la Ligue marocaine, ce n'est pas une première expérience, il y a eu déjà un colloque qu'ils ont organisé. Voilà cette grande journée ici à Dakhla qu'ils nous ont organisé avec une grande invitation. Une possibilité pour nous d'échanger avec de l'expérience partagée des amis du Maroc et de l'Afrique subsaharienne qui est aussi cette région dite en sous-développement. Donc du coup, on a les défis que nous devons défendre pour que tous nous soyons très efficaces dans la lutte contre le diabète. Merci beaucoup.